اليوم الموضوع اللي باش نحكي فيه سي لا كونفيونس دون لو موند ديجيتال. الانترنت قاعده تاكل في العالم ليتيرالمون. كل نهار يقدم، كل نهار نشوفوا انترنت تغزو في العالم، تغزو في حياتنا. On le voit في le fait اللي فما 2 مليار 4 d'internet. On est sur cette planète 7 مليار اليوم. الراوه زاد اللي فما العباد دخلوا في لي ريزو سوسيو 1 مليار d'internet sur Facebook، 1 مليار 500 مليون sur Twitter. الراوه في la quantité d'information qui est disponible. Les moteurs de recherche indexent aujourd'hui jusqu'à 40 milliards de pages de contenu. Aucun secteur n'est épargné aujourd'hui par ce phénomène. Essayez de penser à n'importe quel secteur. Tout le monde a été envahi par cette masse, ou par cette, plutôt ce mouvement de digitalisation. Que ce soit l'information, que ce soit la technologie de savoir, que ce soit la communication en binet barna, que ce soit le commerce, les transactions, notre économie est en train de se digitaliser, hatta les rapports humains binetna sont en train de devenir digitaux. Même la spiritualité et les religions sont en train de devenir quelque chose qu'on consomme sur Internet. Et bien sûr, ces données couvrent non seulement l'espace public, les connaissances, les livres, les photos du monde, des différents pays, des différentes régions, la presse, les cartes géographiques, les vidéos, les photos, mais même notre espace privé est envahi par ce mouvement, par ce phénomène. Nos appels téléphoniques, notre historique de navigation, nos achats, nos transactions, ce qu'on achète sur Internet, nos photos privées, nos vidéos, nos emails, tout est enregistré. Et ce phénomène nous amène à un problème, qui est l'infoxication. L'infoxication, c'est l'intoxication qu'on subit lorsqu'on n'arrive pas à digérer trop d'informations, lorsqu'on est incapable, notre esprit devient incapable de digérer le flot d'informations. Et c'est un paradoxe, parce qu'en même temps, on est censé être éclairé par toutes ces connaissances et toutes ces news et toutes ces informations. Et en même temps, on se retrouve un petit peu perdu. Et cette perte, voilà, cette sensation de perte, fait qu'on se sent, fait que la confiance qu'on a dans le monde qui nous entoure, peut-être s'est détruite petit à petit. Et c'est un véritable paradoxe qui nous fait face. Par exemple, TEDx Carthage, اليوم كي ان ايفينمون ناسيونال يهم برشا عباد، شكون فيكم يعرف افيك بريسيزيون كي سون لي سبيكور؟ شنو هو الباك جراوند نتاعهم؟ كي سون لي زورغانيزاتور؟ توت سي دوني اكزيست اجوردي، ايل سون سور لا توال، سور جوجل، سور لور باج بيرسونيل، سور لور بروفيل تويتر و فيسبوك. مي بور راماسي سيت انفورماسيون انستانتانيمون باش تعرفوا اكي فو فيت فاس، سي فريمون كيلكو شوز دو ديفيسيل. إل فو اون ريشيرش، إل فو بوكو ديفور. Alors, face à ce paradoxe et face à cette infoxication, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je propose une boule de cristal qui pourrait nous aider un petit peu à nous retrouver, une sorte de boussole qui nous permet de voir tout le monde. Une boule de cristal qui nous permet non pas de chercher, mais de trouver. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à chercher l'information. Et on aimerait bien quelque chose d'instantané, d'immédiat, qui reflète la réalité qui nous entoure. Afin de comprendre, afin de pouvoir l'analyser pour nous faire une véritable opinion solide, afin de pouvoir décider, faire des choix dans nos vies. Cette boule de cristal serait alors un endroit qui nous permet d'accéder à tout, tout ce qui est public, tout ce qui est disponible quelque part. Une boule de cristal qui nous permettrait de collecter toutes les informations publiques, celles qui sont produites par les internautes dans les espaces publics d'échange, les forums, les pages Facebook publiques, mais aussi les informations qui sont produites par les machines, par les webcams qu'on voit dans les routes, qui diffusent une image publique, mais aussi les données qui sont produites par les gouvernements. Et il y en a des données qui sont détenues par les gouvernements et qu'ils ne partagent pas avec leurs citoyens. Et on aimerait que toutes ces informations soient disponibles en temps réel. Alors cette boule de cristal, elle nous permettrait de nous repérer, de nous organiser tout ce qu'il y a dedans.
que ce soit par endroit géographique, par pays, par quartier, par langue, par média, par sujet, par thème, même par personne, par organisme, par marque, par type de sentiment. Une boule de cristal qui nous permettrait aussi de mesurer les choses et non pas de seulement les sentir et d'avoir une perception floue. On aimerait mesurer tout ce qu'il y a dans le monde. Les choses qui ont une fréquence, on aimerait savoir combien exactement. L'audience d'une information, est-ce qu'elle est crédible ou pas? Est-ce qu'elle est redondante? Quelle est sa tonalité? Est-ce qu'elle est plutôt positive ou négative? Quel est son degré d'influence des personnes, des organismes ou des marques? Cette boule de cristal nous permettrait aussi de facilement classer l'information, l'ordonner. Quand on est face à des milliers ou des millions de choses et qu'on doit faire un choix ou un tri ou une sélection, c'est plus facile quand les choses sont ordonnées. Et aussi une boule de cristal qui serait capable de tout connecter. Non pas nous offrir des bribes par-ci et par-là, mais de tout relier pour qu'on puisse naviguer rapidement vers notre destination. Et enfin, une boule de cristal qui nous permettrait de visualiser facilement le monde qui nous entoure, les chiffres, les listes, les classements, les choses. Vous me direz qu'il y a peut-être déjà tel ou tel service. Il y a Wikipédia. Oui, mais ça rassemble les informations publiques d'une façon limitée. C'est vrai qu'il y a la page Wikipédia sur telle ou telle personnalité politique en Tunisie. Mais vous, est-ce qu'il y a une page Facebook qui parle de vous? Ou vous, ou vous? Vous me direz qu'il y a Facebook. Oui, mais Facebook, c'est un espace privé. On ne peut pas tout savoir dedans. Et il n'y a pas tout, ce n'est pas connecté au reste du monde, ce n'est pas connecté au savoir. Vous me direz qu'il y a toujours Google. Oui, mais ça ne référence pas tout. Surtout dans les pays comme le nôtre, un tout petit pays, il y a plein de choses qui se produisent, par exemple des tweets que vous êtes en train de faire, que vous ne trouverez pas dans Twitter, par exemple. Tout cela, et cette boule de cristal aura beaucoup d'implications sur la confiance elle-même. Par exemple, on a besoin de décider si on doit faire confiance à une information. Et là, avec cette boule de cristal, on pourrait revenir dans l'historique de cet événement, de cette info, où est-ce qu'elle est apparue la première fois? Qui l'a diffusée? Quelles sont les sources? Qui a diffusé ensuite cette information dans d'autres sphères? Etc. Est-ce que cette source est crédible? On doit aussi, parfois, décider de faire confiance ou non à un média. Cette boule de cristal nous aiderait à y voir plus clair. En un coup d'œil, on pourrait dire si tel ou tel média est partisan ou pas, s'il est crédible ou pas, s'il a une audience ou pas, quel est son type d'audience? Est-ce qu'elle est plutôt, est-ce qu'il est plutôt suivi par des geeks, ou par des citoyens normaux, moyens, etc., etc. Et aussi, on doit faire confiance à des gouvernements, à des personnes, à des marques. Grâce à cette boule de cristal, on pourrait savoir tout sur ces personnes et ces marques. On pourrait savoir tout leur historique public. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles sont les positions qu'ils ont prises ou qu'elles ont prises dans le passé, dans l'ordre? Quel est l'impact de chacun? Pour les marques, par exemple, est-ce qu'elles sont bien reconnues et, par leurs consommateurs ou par leurs fidèles ou leurs fans? Pour les gouvernements, par exemple, on aimerait bien savoir les budgets, notre argent qui est géré par ces gouvernements. Est-ce qu'il est bien dépensé? D'abord, combien et où il va? Combien d'argent? Où va l'argent? Est-ce qu'il est dépensé ou juste budgétisé? Quels sont les programmes qui sont en train d'être réalisés et pas juste programmés? Est-ce que ce gouvernement est neutre? Est-ce qu'il respecte l'égalité entre les citoyens? Est-ce qu'il est corrompu, que ce soit à l'échelle locale ou nationale? Cette boule de cristal est peut-être une utopie, peut-être quelque chose d'imaginaire et qui, peut-être aujourd'hui, pensée n'existe pas. Moi, je pense que la machine est en marche et que cette boule de cristal est en train actuellement d'être construite,
de manière collaborative. Google, qui a été lancé il y a une quinzaine d'années déjà, référence à peu près 40 milliards de pages. Quelques années plus tard, Wikipédia, qui a été lancé en 2003, référence à peu près 4 millions de pages dans sa version anglaise, et plus encore dans les autres langues. Facebook, qui date de moins de 10 ans, référence plus de 2,5 milliards de choses, que ce soit une personne, ou un article, ou une photo. Twitter, qui est encore plus récent, référence 170 milliards de tweets, qui chacun contiennent une information parfois très importante, comme on l'a vu par exemple lors du tsunami ou lors des événements tragiques au Japon. Freebase, que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui est une sorte de base de données gigantesque qui essaye de structurer les connaissances qu'on a sur le monde dans des bases de données structurées pour qu'on puisse chercher avec des critères très fins. Elle référence déjà 40 millions de choses, d'unités de connaissances. Et alors pour nous les Tunisiens, on a été un certain 14 janvier le centre du monde pendant une journée. Tous les yeux du monde ont été dirigés vers nous, ce petit pays de 11 millions d'habitants. Où est-ce qu'on est dans ce mouvement? Est-ce qu'un jour on pourra redevenir le centre du monde, le centre de la planète? Moi, je crois que oui. Mais il y a des challenges. Je pense qu'on peut y arriver si nous faisons deux choses. D'abord, continuer à militer, parce que ce n'est pas encore gagné en Tunisie. Nous avons beaucoup à construire pour notre nation. Demander, par exemple, que les budgets deviennent publics, pas à l'échelle annuelle et à l'échelle nationale seulement, mais à l'échelle locale. Demander que toutes les données soient ouvertes. Défendre notre liberté d'expression. Il y a encore du chemin. Et il nous faudra passer par là si on veut redevenir le centre du monde à notre jour. Mais ce ne sera pas suffisant. La technologie, comme je l'ai dit au début, est en train de manger le monde. Si on ne maîtrise pas l'innovation technologique dans notre pays, on ne pourra que suivre ce que les autres créent. Et c'est pour ça que je pense que ce combat qui est de demander nos droits pour ouvrir les données, tout en protégeant notre vie privée, tout en nous intéressant à ces technologies nouvelles qui nous permettent de maîtriser ce flot incroyable d'informations, et là je mets quelques hashtags pour les techniciens d'entre vous et les intéressés qui suivent les tendances, il faut qu'on maîtrise les big data, le cloud computing, le machine learning, qui est l'intelligence des machines à travers la programmation et l'intelligence artificielle, les technologies d'analyse de grandes quantités de données et les visualisations de données, les data viz. Je pense que la machine est en marche. Mais pour qu'on y arrive, il va falloir qu'on s'investisse, qu'on s'engage. Et moi, je crois en vous, les jeunes, cette génération de gens intéressés, qui y croient encore. J'ai confiance que vous pourrez construire ensemble cette nouvelle nation qui sera le centre du monde. Je vous ai prévu un petit bonus. C'est un petit extrait d'un film qui m'a personnellement marqué il y a longtemps. Your turn. What? Going up.
Donc elle lui dit, ouais, je te fais confiance, c'est à ton tour. Merci.